Je travaille pour 180 euh, J'ai commencé avec eux autres comme développeur front-end. Euh, je suis en train de passer à product manager. Euh, je vais vous parler un peu de ce qu'est E180, présenter un peu euh, nos défis qu'on a rencontrés, euh, je présenter un peu la stack technologique euh, sans trop rentrer dans le détail. Puis euh, après ça, ben, on va passer à autre chose. Euh, donc, qu'est-ce que le peer learning euh, C'est un peu de démocratisation de l'apprentissage. Donc, learning for everyone, pour tout le monde, euh, puis c'est à peu près n'importe quoi. Euh, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir une expérience individualisée euh, par rapport à l'apprentissage. Mettons, on passe dans un cadre académique où on a un prof versus une classe. Là, c'est vraiment du un à un. Euh, le contenu est adapté euh, lorsqu'on rencontre un individu. Euh, Puis, euh, c'est très empowering parce que, bon, euh, tout le monde est un peu, peut devenir un professeur ou enseigner quelque chose, soit par son expérience dans le passé, euh, sa carrière, euh, ou peu importe parce que la personne connaît des bonnes recettes. Une euh, petite statistique intéressante, je vais la laisser pour la diapositive pour plus tard. Euh, donc, 180 comme plateforme, euh, c'est une plateforme qui permet aux, aux utilisateurs de présenter des offres euh, sur le savoir qu'ils connaissent dans le but de pouvoir le partager à d'autres individus, euh, aussi la possibilité de créer des demandes euh, pour pouvoir approfondir son savoir dans un certain champ d'expertise ou un domaine quelconque. Euh, et ce que la plateforme permet de faire, c'est euh, un matchmaking ou de faciliter euh, la rencontre entre ces différents individus. Euh, Puis c'est ce qu'on ce qu appelle nous un brain date. Donc, E180, euh, ça fait trois ans euh, que ça existe. La première euh, version était très axée sur euh, les features. Donc, qu'est-ce que ça prend pour avoir une plateforme, pour que les gens se rencontrent Ça prend tel feature, tel feature, tel feature. Euh, pour la version numéro 2, euh, ils se sont reculés un peu. Euh, des features pour plus penser au niveau du user experience. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens voudraient se rencontrer? Euh, qu Qu'est-ce qu qui fait en sorte que les gens sont actifs sur cette plateforme-là? Euh, par la suite, il y a eu des contrats qui ont été euh, faits euh, pour euh, notamment c de Montréal, la conférence, euh, une plateforme de matchmaking pour les trois jours de la conférence. Euh, il y avait souvent des périodes à, à dédier. Pour que les gens puissent faire du business development ou euh, échanger des connaissances ou échanger euh, sur la créativité en général. Donc, ça a été ça a été une plateforme qui a été customisée, surtout au niveau du visuel, au niveau du user experience, pour vraiment venir euh, rencontrer les besoins de cette conférence-là en particulier. Euh, ce qui a donné suite à d'autres conférences, notamment Doa Goals, où bon, euh, un nouveau UI a été développé, euh, du UX a été adapté pour les autres. Euh, une application mobile a été euh, prototypée dans ses débuts. Euh, avec tout ça, dans une petite période de temps, euh, l'équipe s'est rendue compte que bon, ils avaient accumulé une dette technologique un peu, euh, à force de faire des, euh, des produits adaptés, euh, faire euh, beaucoup de customisation pour chacun des clients. Euh, et après ça, ben, l'histoire se répète par euh, des conférences supplémentaires qui s'ajoutent euh, au nombre de choses que la compagnie a. Euh, donc, euh, des grandes leçons qu'on a apprises, euh, c'est que le, le, le cycle de déploiement de nouveaux, nouvelles, euh, de new releases, euh, était beaucoup trop long. Euh, la dette technologique était difficile à faire descendre. Euh, ça s'accumulait plus que ça descendait. Euh, la customisation pour chacun des clients, ça fait en sorte que la maintenance est hyper difficile. Euh, toute nouvelle conférence, toute nouvelle demande de conférence, euh, gérer euh, les attentes des clients, euh, gérer euh, la réception des contenus, la, la mise en page, euh, ça prenait tout le temps de l'équipe. Euh, Puis ben, ils se sont rendus compte que convertir un, un intérêt pour la plateforme euh, versus quelqu'un qui participe activement à la plateforme, euh, c'est plus que. ça prend plus que de la technologie. Euh, donc la nouvelle stratégie, c'était d'avoir un un code base qui est partagé à travers toutes les instances, donc plus de code custom pour un client versus un autre. Euh, Essayer d'automatiser la customisation, donc offrir des carcans bien, euh, bien définis aux clients, puis euh, l'exprimer clairement que c'est là-dedans que tu peux jouer, mais that's it. Euh, avoir du versioning sur l'API, surtout euh, lorsqu'on arrive pour euh, développer les produits web versus l'application mobile. Euh, Toujours améliorer euh, nos processus agiles, euh, nos processus lean, euh, s'assurer qu'on a une meilleure euh, assurance qualité au niveau du code. Donc, instaurer du code review, euh, essayer à tout prix d'avoir de la dette technologique, euh, prendre plus son temps avant de euh, déployer des features ou promettre des features euh, à des clients. Et euh, la synergie de nos produits. Euh, petite parenthèse sur la synergie de produits. Euh, un exemple concret, c'est si on développe un feature pour euh, le produit conférence ou pour les conférences, euh, on devrait pouvoir facilement le transférer vers la plateforme publique et vice-versa. Euh, ce qui fait en sorte qu'on maximise les énergies qui sont mises à développer des nouvelles features en pensant qu'elles doivent ou elles devraient fonctionner sur tous nos différents produits. Euh, puis ça nous permet de garder un momentum pour euh, relancer les produits ou s'assurer que nos produits sont à jour. Euh, fait, ce qui nous en, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois, je dirais trois euh, à quatre prochains mois, euh, c'est une nouvelle version de notre euh, plateforme publique euh, qui est présentement la V 3 donc euh, nouveau code qui est en ligne, nouvelle expérience aussi. On veut euh, continuer d'améliorer cette plateforme là. Le produit conférence qui va être lancé incessamment. Euh, après, ça, on a le concept de groupe privé euh, pour des, des entités. Euh, après ça, un dashboard pour faire le monitoring, pour faire la gestion des utilisateurs, pour voir nos statistiques. Euh, L'application mobile euh, finale, non le prototype, serait lancée. Et après ça, on a le concept euh, d'espace affiliés euh, où ce euh, serait des espaces commandités pour créer des euh, ou recevoir des rencontres E180 ou des endroits propices à créer des rencontres E180. Voilà. À ça en parlant parlons un peu de la Technologie qu'on a en arrière euh, chez E180, la dernière qu'on a. Euh, note à préciser, je ne suis pas un développeur Python, donc je vais faire mon possible euh, pour le, vous la présenter. La dernière fois que j'ai fait du Python, c'est en Plomb 2.1, ce qui est à peu près circa 2005-2006, euh, donc ça date un peu. Euh... Donc si je commence par le back-end, on a Django 1.6, une base de données en PostgreSQL. Euh, on utilise Django REST Framework pour l'API, euh, très utile. Euh, après ça, on a le Elasticsearch d'Amazon, euh, Celery pour le tasking, j'adore le nom, je ne sais pas trop qu ce que ça fait par contre. Euh, Sentry P-Raven pour le monitoring, donc dès qu'il y a des erreurs 500 au niveau serveur ou euh, des erreurs euh, 404 euh, ou des bugs, Côté front-end, euh, nous, on reçoit ces informations-là sous forme d'alerte. Euh, Mandrill pour euh, notre système d'emailing automatisé, basé sur des événements, si je ne me trompe pas. Euh, au niveau du front-end, CoffeeScript euh, euh, pour accélérer notre développement de JavaScript et nous assurer euh, un peu une meilleure qualité de notre code. RequireJS pour euh, gérer nos différentes dépendances sur nos, niveaux, euh, sur nos vues, nos packages. Euh, marionnettes. Euh, qui est une saveur de backbone. On euh, utilise euh, Compass puis euh, SCSS pour compiler nos CSS euh, de façon plus pragmatique, calmement. Euh, Bootstrap pour gérer notre UI, puis Grunt pour compiler le tout. Euh, au niveau de l'infrastructure, on, on déploie avec Fabric, on a du Unicorn Nginx, on est aussi chez Amazon. Et euh, notre user-generated content et nos fichiers statiques, donc le front-end, est hosté aussi chez Amazon via le CloudFront. C'est tout, mais euh, 180 aimerait vous connaître. Donc, si ça vous tente, euh, joignez la plateforme. Euh, participez, bookez une brand date, euh, donnez-nous votre feedback. Il euh, y a moyen de le faire via la section support. Euh, si ça vous tente, venez nous voir avec l'équipe euh, à n'importe quel moment ou tantôt au Benelux. Sinon, il y a le Startup Open House euh, le 30 octobre. Si ça vous intéresse, on y participe. Et sinon, ben, on regarde toujours pour euh, du talent pour venir travailler avec nous. Euh, et sur ce, merci beaucoup.